Salut Anne. Salut Chloé. Alors pour cette première chronique de l'année, tu nous rapportes des nouvelles fraîches des récifs du Grand Sud, c'est ça ? Absolument Chloé, mais d'abord j'ai besoin de resituer un tout petit peu le contexte. Il s'agit du programme Acropora, c'est le programme de suivi participatif des récifs du Grand Sud, qui est porté depuis 2013 par l'œil et le CCCE, le Comité Consultatif Coutumier Environnemental. Et il repose sur l'alliance entre scientifiques et populations locales. Donc chaque année, des bénévoles issus des tribus de Yaté, de l'Île-Ouin et de l'île des Pins sont formés au suivi scientifiques de leurs récifs par les équipes de l'œil et la biologiste marine Sandrine Job. Après 3 ans d'interruption, malheureusement, nous étions collectivement du coup très heureux de reprendre ces suivis en 2023. Ok, ouais, donc vous deviez être impatient de voir comment les récifs avaient évolué. Alors comment est-ce qu'ils se portent ? Eh bien écoute, à Yaté, les récifs jouent la stabilité. Les 3 stations historiques liées à la tribu de Goro se maintiennent maintenant depuis 10 ans, avec même quelques améliorations, davantage de coraux, d'oursins et toujours plus de poissons. Et la nouveauté, c'est qu'à la demande des habitants de Goro, 2 récifs ont été ajoutés au réseau de suivi, à l'île aux Noirées et en baie de Port-Boisé. Une fierté puisqu'ils ont fait passer le réseau PI, le RORC, à la 100e station du réseau d'observation des récifs coralliens. Super, super. Et à l'île des Pins, du coup ? Alors, à l'île des Pins, les nouvelles sont moins bonnes. 2 des 3 récifs suivis ont subi les assauts des cyclones en 2021 et 2022. Une grande partie de leurs coraux durs ont été détruits, mais heureusement, les conditions de la régénération sont au rendez-vous, puisque oursins, coquillages et poissons brouteurs font leur travail et favorisent l'implantation de bébés coraux. Et ça fait même des récifs de l'île des Pins parmi les plus dynamiques du pays. Ok. Alors, une dernière chose, tu as dit que c'était Acropora, c'était participatif, ça veut dire que tout le monde peut participer ? Oui, c'est ça, parce que la méthode est conçue pour être accessible à tous ceux qui sont à l'aise dans l'eau avec juste un masque et des palmes. Moi. Et même toi, mais si même moi. Avec mes palmes. Pour Acropora, la participation revient quand même principalement et prioritairement en fait aux habitants des tribus concernées, puisque l'idée c'est qu'ils puissent surveiller leurs récifs eux-mêmes et ils les connaissent eux déjà parfaitement avec l'œil du pêcheur et le regard scientifique vient s'ajouter au savoir traditionnel. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on remercie chaleureusement tous les participants de 2023 qui ont été formidables. À Cougnier, c'est Narcisse, Simone, Alexandre, Nazaire et Germanique. Et à Goro, c'était Alexis, Armand, Cyril, Eliakim, Héloïse, Jordan, Maëva, Méven, Petronille, Jacob, Steven et Victoria. Et on encourage déjà déjà toute cette bande-là et puis tous les autres qui voudront participer ou reparticiper à se rapprocher de nous, l'œil ou le CCCE pour 2024. Merci, merci beaucoup. Et puis on retrouve les publications très prochainement sur votre site oeil.nc et sur vos réseaux sociaux.